veut prendre la place de Géraldine, la nouvelle championne de la deux victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 3500 euros déjà. Ah, c'est un bon tempo. Bon rythme. Ça va, tout vous convient, c'est confortable. Vous avez de quoi manger, de quoi boire, de quoi vous sustenter. On est juste super bien traité, franchement, on n'a pas envie de partir. Ça, on a compris que vous vous accrochez au fauteuil. Hein. Vous avez dit hier, je veux rester le plus longtemps possible et gagner le plus possible. C'est ça. Le message est très clair. Géraldine, mariée avec Hervé, on a tout compris de la demande en mariage. Votre fils s'appelle ? Il s'appelle Baptiste. Et il a quel âge ? Il a 5 ans. 5 ans, très bien. Il a une passion ? Alors, déjà, il adore les voitures. Les voitures de course ou les voitures, les couleurs, les voitures dans les films ? Alors, toutes les voitures, il adore jouer avec les voitures, il adore faire de la voiture. Et voilà, c'est un truc, c'est quoi? Est-ce que c'est génétique ou pas? Pourquoi les garçons, d'un coup, se précipitent sur les voitures et les filles sur les poupées, même si on ne les force pas? Non, mais c'est vrai? Je sais pas. J'aimerais bien qu'il fasse autre chose, mais en tout cas, il adore ça. Offrez-lui une poupée. Ça peut le faire plaisir. Pas sûr que papa sera qu'on sera d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi genrer les jouets? Moi, mon fils joue à la poupée, tout va bien. Je préférerais qu'il fasse la dinette, parce que j'aimerais qu'il cuisine bien plus. Ah, vous les... ah d'accord. C'est, en fait... En fait, vous voulez uniquement que votre enfant serve à quelque chose, c'est ça? Non. Au moins, il fait la cuisine. Non, mais c'est super pour draguer, franchement, de savoir cuisiner. Et c'est important, franchement, de savoir. Hervé, vous avez eu comme ça? Non. Avec quoi, alors? Tu vas comprendre la question. Je vous entends pas. Mais j'ai pas bien entendu la question, c'est pour non, ça, Nagui. Je disais, avec quoi vous a-t-il séduite? Alors, il m'a séduite parce qu'il m'a écoutée, tout simplement, en fait. Il a écouté ce que je lui ai raconté. Et puis voilà. Il y a une dame derrière moi qui fait « Voilà, c'est quand même pas compliqué, non ?» Écoute. Qui est là pour jouer, Greg? Allez, aujourd'hui, Nagui, nous accueillons José de Chéron. Il pratique le tango argentin. Yasmina de Fournaise, fan de la famille royale d'Angleterre. Lucien, prof de fitness à Angers. Suzanne, retraitée infirmière à Arsec. David de Limoges, prof de génie mécanique. Et enfin Florence de Marseille, infirmière libérale. Et voici les cadeaux pour les 6. Cet été avec les éditions Hugo, préparez votre rentrée avec le cahier de vacances pour adultes pour stimuler votre culture. Et le calendrier s'organise en famille pour un retour en douceur. José. Bonjour. Tout va bien José? Tout va très bien. Vous avez été professeur des écoles? Oui. Toute votre vie à enseigner? 41 ans. C'est vrai? Oui. À transmettre, à apprendre? À transmettre, à apprendre, à diffuser, à passer des bons moments. D'autres moins parfois, mais bon, ils sont dans l'ensemble. Ils sont moins nombreux. Oui, ouais, on garde des bons souvenirs. Non, sincèrement, les mauvais moments quand on est prof sont moins nombreux que les bons. J'espère pour vous, en tout cas. Oui, sinon, pour durer 41 ans, quand triste, même. Ouais. Ce serait bien triste, oui. Vous étiez à quel niveau en maternelle? J'étais en primaire, donc tout ce qui va du CP au CM2. D'accord. Voilà. Et c'est quand même pas pareil. C'est-à-dire que les grands, en primaire, c'est vraiment des grands. C'est-à-dire qu'on ne les gère pas de la même manière qu'en CP. Ouais. Bah, si. C'est vraiment des grands, mais on se charge quand même de leur dire, quand ils ont tendance, fin CM2, à se croire justement trop grands, que l'année suivante, en sixième, on les appellera les petits sixièmes. C'est sûr. C'est sûr. Et donc, en général... Et qui vont passer d'une classe avec un professeur ou une maîtresse, avec plusieurs. Avec plusieurs, oui. Ce qui est le bon côté des choses, c'est que si on avait un mauvais, enfin pas un mauvais, un prof que l'on n'aimait pas en primaire, on était obligé de se le bouffer pendant un an. Un an ou parfois plusieurs années. Voilà. On a des cours doubles. Alors que lorsqu'on rentre en sixième, on a plein de profs. Il y en a qu'on peut aimer et d'autres moins. Oui, c'est l'avantage. Voilà. C'est l'avantage. Voyons le bon côté des choses. Ouais, ouais. Vous avez vu Bob Marley. C'est dans quel état étiez-vous ce jour-là? C'est le privilège de l'âge. Eh bien justement, je l'ai vu à une époque, je crois que ça devait être son dernier concert en France, ça devait être en mai ou en juin 80. Et on était arrivé l'après-midi, et à cette époque-là, il n'y avait pas de zénith, c'était des grandes salles, il n'y avait pas de chaises, on s'installait où on voulait. Et j'ai eu la prudence de ne pas m'asseoir. Pardon, c'était une salle couverte ou un plein air? C'était une salle couverte. D'accord. Et dans quelle région? À Lille. À Lille. Et j'ai eu la prudence de ne pas trop m'approcher, même si on pouvait aller carrément se mettre au devant de la scène. Et j'ai eu raison parce que quand les Wailers sont arrivés, on a entendu le groupe. Ouais. Donc ça, oui. Par contre, j'ai écouté la musique et j'ai pas vu Bob Marley arriver. Mais je l'ai senti arriver. Je l'ai senti arriver. Alors, je vais...
je vais pas ranger mon cas parce que je l'ai senti arriver par derrière, en effet. Ouais. Et là, en fait, j'ai dû avancer de 2 mètres au moins, sans bouger. Vous avez senti le mouvement. Parce qu'il y a eu un mouvement de foule qui m'a poussé vers l'avant. Et en fait, il venait du fond de la salle. En fait, c'est tous les gens qui ont vu arriver Marley, sauf moi, en disant Marley. Du coup, j'ai. Ah, d'accord, ok. Donc, il est apparu sur scène, vous n'en êtes pas rendu compte? Non, par contre, je l'ai senti par le mouvement. De fumée et la foule s'approchant, là, vous avez dit, ok, là, il se passe un truc. Et j'ai pas regretté de m'être mis là où je m'étais mis, parce que juste après, j'ai vu passer des brancards au premier rang avec des personnes. Des gens qui avaient été écrasés par la foule. Voilà. Bon, ça reste, pour vous, ça reste un bon souvenir. Ça reste un bon souvenir, ouais. Super. Et c'est culte, Bob Marley. On a retrouvé la date, juillet 80, ce serait ce dernier concert. Juin, je crois. À Lille, peut-être. Juillet 80, ouais. Plutôt. Ouais. J'ajoute d'ailleurs que... Ajoutez ce que vous voulez, vous êtes prof. Voilà. Alors, il faut bien écouter. Hein. Non, mais à chaque fois qu'on parle de musique avec des, on va dire, des plus jeunes, une fois, il y en a un qui me parlait de musique, de Bob Marley. Quand je lui ai dit que j'avais vu Bob Marley sur scène, il s'est retourné et m'a regardé comme si vous aviez croisé Cléopâtre, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais en même temps, c'est un dieu dans son style. Ah bah ouais. Il a révolutionné certainement, la musique. Dans un film en 1977, vous étiez gamin, héros de cinéma parcourt Philadelphie sur cette musique? J'ai pas d'excuses, alors je vais vous demander un carré. E.T., Luke Skywalker, Rocky Balboa ou Jean-Claude Duss? Rocky. C'est Rocky, oui. À 2 jours près, nous fêtons l'anniversaire de votre concert pour Bob Marley. C'était un 24 juin 80 à Lille. Comme ça, vous aurez la date maintenant gravée. Je vous propose de la tatouer sur votre biceps. Oscar Wilde se repose, mais dans quelle ville? Oscar Wilde. Où est enterré Oscar Wilde? Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, ils se disent, tiens, mais depuis quand il pose des questions sur les vacances des people? Donc, où est enterré Oscar Wilde? Allez, je vais dire un carré là aussi. Paris, Sydney, Memphis, Canterville. Canterville? Paris. Ah oui, au Père Lachaise peut-être. Exactement. Au Père Lachaise, sa tombe est régulièrement couverte de traces rouges de lèvres de femmes et de fans. Et puis ensuite, il a été protégé, on a même la photo, voilà, protégé ensuite par une vitre. Peu avant son décès, face aux honoraires du médecin, il aurait dit « Docteur, je meurs au-dessus de mes moyens ». Tellement le docteur était trop cher. Yasmina Labelle, ça va? Bonjour. Ça va, merci. On reste encore enseignant? Et oui, tout à fait, parce que moi, je récupère les grands CM2 et ça devient des petits sixièmes. C'est ça, en secondaire. Tout à fait. Ça commence à être un peu la grande école quand même, le secondaire. Ça commence à être sérieux. Oui, c'est sérieux, mais pas trop. On fait en sorte que ce soit quand même assez cool. Bah, on a un cahier de texte, on a plus de devoirs, j'imagine, qu'en primaire. Oui, et puis on a l'objectif un emploi du temps avec différents profs. Tout à fait. Et le brevet? Et le brevet, voilà, oui. Qui a encore changé, enfin ça change tout le temps, le brevet. Moi j'ai connu ça, j'ai connu le BEPS. Alors le brevet c'est encore autre chose. Je connais pas, je vois pas. Oh ça va. C'était facile. Le BEPS c'était à l'époque on écoutait Bob Marley. le brevet maintenant c'est à 400 points du contrôle continu à l'école et 400 de l'examen, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, oui. Ah non, mais je suis prof d'anglais, moi j'ai pas d'épreuve au brevet. Il n'y a pas du tout d'anglais au brevet, mais si. Non, il n'y a pas. Mais dans le contrôle continu. C'est en contrôle continu. Ah voilà. Il n'y a pas d'épreuve d'anglais au. Il n'y a pas d'épreuve finale. Au brevet. Mais on bosse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir déjà globalement prof et particulièrement sur l'anglais? Prof pour avoir l'occasion de parler anglais toute la journée. D'accord. Vous avez dû faire chanteuse rock. Oui, mais non, ça n'aurait pas été possible. Mais c'était avant de me rendre compte que mes élèves ont un sacré petit niveau, donc mes phrases ne sont pas très évoluées toute la journée, mais ce n'est pas grave. Alors j'ai l'impression, mais je me trompe apparemment, que plus ça va, mieux c'est, grâce peut-être à la musique, grâce aux séries aussi, mais j'ai l'impression que l'anglais est... Alors il est meilleur surtout depuis que je suis prof, en fait. Oui, c'est grâce à vous. Voilà. Évidemment. Est-ce que je vous choque si j'évoque l'idée que les profs d'anglais soient anglais? Oui. Non.
Un peu. Écoutez, c'est une passion et non, non, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est que rien de tel qu'un Anglais ou une Anglaise pour avoir on n'en a pas assez en France. L'accent, ça c'est encore un autre souci. Oui, non, non, mais en effet, on conseille vraiment beaucoup aux élèves de regarder les séries. On a la chance, enfin cette génération-là a la chance d'avoir un accès à l'anglais qui est extraordinaire grâce aux médias, de voyager de plus en plus, etc. Donc oui, c'est mon petit accent un peu français ne pose pas trop de problèmes. Et vous faites des classes justement en Angleterre, à Londres, vous voyagez avec les élèves? Alors je reviens d'Édimbourg. Voilà, très bien. Où on est allé une semaine avec les élèves de 4e, voilà, Édimbourg. Visiter le château, tout ça, sur les traces de J.K. Rowling, super. Sur les traces d'Harry Potter, c'était un voyage exceptionnel. J.K. Rowling, vous dites? Oh hey, ah bah, Yasmina, faut pas me chercher. Hein. Dans quel pays le rappeur MC, ou MC, comme vous voudrez, Solar, est-il né? Carré. Sénégal, Maroc, Afrique du Sud ou Kenya? Sénégal? Oui. Né au Sénégal, mes deux parents venaient du Tchad, fils du Sahel, j'avais les envies de noir fade. Mais je suis venu ici dans un foyer à Saint-Denis avec mes frères et sœurs. On déménage pour être égalité. Ma mère fait des ménages dans des centres hospitaliers. Elle sait que le savoir sera mon seul allié. Elle rentre. Avec la tête de quel animal les hindous représentent-ils Ganesh, le dieu? Avec la tête de quel animal? Carré, s'il vous plaît. Ganesh a une tête de cochon, de crocodile, d'ours ou d'éléphant? Éléphant. Très bien. Alors bon. Moi, la tête, je dis rien. Mais le pantalon, franchement. C'est sexy. Franchement. Non, oui, le rose, ça va. Mais c'est beaucoup trop ample, quoi. C'est pas... Non? Ok. Ça, c'est fait. Lucien, comment ça va? Ça va bien. Bon. Pas encore. Pour l'instant, vous êtes quoi? En formation? Vous êtes en train d'apprendre? J'ai fini ma formation en juin l'année dernière. Ouais. Et j'ai fait un peu une année de césure. J'étais en saison. Je travaillais dans autre chose. Une année de césure en saison? C'est compliqué, ça. C'était pas dans mon domaine. Dans quoi? Dans la restauration? Dans l'hôtellerie? Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Dans quelle région vous étiez? J'étais aux Arcs, donc dans les Alpes. Oui? Dans Savoie. Et vous avez pas aimé? C'était très bien, mais en fait, je recherchais dans le fitness. Dites j'ai la vérité. Pas trouvé. Vous avez pas aimé? J'ai skié toute la saison. Vous avez skié? Bah, ouais. C'est bien. Donc ça, le boulot en lui-même, c'était pas... Ça vous a saoulé? C'était pas ce que je recherchais. Ok, vous voulez faire du sport et surtout apprendre aux autres à en faire? Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai été éducateur au niveau du basket et là, j'ai passé mes diplômes pour être prof de fitness. Et donc, je pars en saison cet été. Les profs de fitness sont censés avoir une formation, je veux dire, pas médicale, mais en tout cas, connaître un peu plus le corps que simplement de faire des pompes, des abdos et des fessiers. C'est mieux. Après, malheureusement, comme dans tout métier, on va dire, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens qui maîtrisent, on va dire, tout ça. Et après, il y a des formations qui sont un peu plus spécialisées. J'ai ma formation dans le fitness, je l'ai faite, c'était un peu orienté au niveau de la santé. Du coup, on avait des cours un peu plus approfondis là-dessus. D'accord. Ouais. Vous avez déjà donné un cours de fitness ou pas? Ouais. Ouais, et généralement, quelle est la demande homme-femme, hein? Je veux dire, on vous demande quoi généralement? Alors, on a deux mentions. Donc, sur les cours collectifs, il y a tout, de la perte de poids, voir les copines et les copains, se dépenser. Voilà. Bah, la perte de poids, quand on fait du sport, on en prend du poids avec les muscles? Les muscles sont plus lourds que la graisse. Et donc, sur les cours collectifs, on a moins de charges. C'est compliqué quand même de prendre la masse. Et sur de la musculation, on va dire plus en salle, avec un programme très spécifique, et on va mettre de l'alimentation avec dedans. Vous donnez des conseils bouffe aussi? J'aurais pas la prétention. Bah si, vous venez de dire ça. Oui, mais parce que, non, pour quelqu'un qui veut, il doit se renseigner avec. Quand on a le diplôme qu'on a, donc le BPJEPSAF, normalement, il faut savoir donner des conseils pour la nourriture comme pour la gym. C'est ça, mais sauf qu'on n'est pas habilité à donner comme un nutritionniste. Un diététicien ou un nutritionniste, très bien. Dans quelle région voulez-vous travailler, Lucien? Au soleil? Oui. Hein? Ah ben ça vous serez dehors, mais dehors de quelle région? Vous n'avez pas de rêve? La Réunion serait bien. À La Réunion, très bien, je vous le souhaite. Qui chantait en 2010? Jean-Louis Aubert. Très bien. Quel nom donne-t-on à la partie liquide du sang permettant le transport des cellules dans le corps? La partie liquide qui transporte les cellules dans le corps s'appelle? Carré, s'il vous plaît. Leucocyte, lymphe, liquide amniotique ou plasma? Plasma. Très bien.
Suzanne, tout va bien? Bonjour. Vous allez un jour chez le coiffeur, dans quelle région vous êtes, à Besançon? À côté de Montbéliard. D'accord. En Franche-Comté. Donc vous allez chez le coiffeur, vous lui demandez quoi? Je lui demande une coupe et puis une teinture parce que j'étais brune et j'avais envie d'avoir un blond plati. Ah, blonde plati. Voilà. Marilyn. Voilà. Pas Marilyn, mais enfin, la couleur, du moins. Oui, Marilyn, oui. Voilà. Enfin, ceci, elle était tellement blonde, c'était presque blanc. Presque blanc. Oui, très clair. Ouais. Bon, alors, ma foi, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a dû mélanger, elle a dû se tromper dans les mélanges. C'était une adresse où vous aviez l'habitude d'aller. C'était le coiffeur de mon village, quoi. Que vous connaissiez. Que je connais. Qui vous avait déjà coloré. Oui, il m'avait déjà fait. Coloré. Oui. Alors, je lui demande donc ce blond platine. Enfin, j'attends, elle mélange, elle fait tout un trafic. Je la laisse faire. C'est chimique, ouais. Hein, voilà. Et on ne voit pas trop tant que ce n'est pas rincé. Mais non, on a les papayottes, elle rince tout ça. Comment s'appellent les trucs qu'on met sur la... Les papillotes. Les papillotes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est des petits trucs en, dans le temps. En aluminium. Non, mais même pas. Non, c'est comme du papier à cigarette, vous savez, tout fin. Non, je ne vois pas, non. Non, vous ne voyez pas. C'est comme du papier d'emballage, quoi. Oui, tout fin, quand même. Et c'est mèche par mèche avec le produit. Mèche par mèche avec le pinceau, tout ça. Mais tout ça. Alors ensuite, elle laisse un certain temps. Je trouvais que c'était long. Il y a des journaux. Il y a des journaux. Ils sont se tenir au courant. De l'année dernière. Mais bon, alors finalement, elle rince. Elle commence de sécher. Mais je me dis, c'est quand même. C'est pas tellement blond, ça tire plutôt sur le rose. Elle continuait toujours de sécher. Je me suis retrouvée comme une poupée Barbie. Non, alors Barbie, tu m'as... Mattel est comme une autre poupée... Enfin, c'était... C'est pas une marque, non? Les Barbies, hein. Il y avait des Barbie roses. Mais non, mais arrêtez avec Barbie. Il faut pas citer. Barbie, ah bon? Ah oui, c'est Ah, Barbie, c'est pas une marque. Non, ah bon, retire le Mattel. Voilà. D'accord. Bon, bref, c'était horrible. Non, alors je suis pas d'accord. Vous avez une photo? Ah non, j'ai pas de photo. Ah, vous avez dû garder ça. Non, pas bien. C'est sûr? Non, Rose. J'arrive à la maison. C'est Barbara Cartland qui était en... avec les cheveux roses. Peut-être, mais moi, chez moi, non, ça le faisait pas. Ah, chez vous? Ah oui, ça allait pas avec le papier peint. Non, ça allait pas. Alors, comme je devais aller à un repas le lendemain, je rentre, je dis à ma fille, mais regarde, tu trouves pas que je suis trop rose? Oh, elle me dit trop, c'est même... Passé. C'est même beaucoup, hein. Ouais. Bon, si bien que le lendemain matin... Je ne suis pas sortie de la fin d'après-midi. Le lendemain matin, je suis repartie chez la coiffeuse et je lui ai dit que je ne voulais pas être comme ça. Rendez-moi mes cheveux. Voilà, rendez-moi mes cheveux. Finalement, je me suis retrouvée brune. Brune? Voilà. Ah, c'est-à-dire qu'elle a... Oui, mais j'avais demandé brune parce que je ne voulais pas demander à nouveau blond. Parce que j'ai dit cette fois-ci, oui, je vais me retrouver rouge pas faire. Ouvert, ou voilà. 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 C'est une bonne pub qu'on lui a faite à elle. Suzanne, quel footballeur détient le record de sélection en équipe de France? Celui qui a été le plus appelé en équipe de France. Oh, carré. Laurent Blanc, Lilian Thuram, Zinedine Zidane ou Michel Platini? Blanc, Thuram, Zidane, Platini. Thuram? Oui, bravo. 142 sélections. Quel appareil breveté en 1816 sert à marquer le tempo auquel doit être joué un morceau de musique? Carré. Diapason, métronome, capodastre ou médiator? Diapason, métronome, capodastre, médiator. Métronome. Pour donner le tempo de la musique. Bien joué, oui. Monsieur David, ça va? Oui. Vous êtes déjà marié? Oui. Et vous voulez vous marier? Oui. Ok. Avec la même? Oui. Ah, ok, d'accord. Oui, j'aime bien le côté. Bah, il a intérêt, oui. Ça va, je supporte déjà depuis... Combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait à peu près 20 ans maintenant. 20 ans de vie commune, pas de oui, mariage? De vie commune. De vie commune. En fait, on s'est mariés depuis que j'ai eu mes 40 ans, donc ça fait maintenant 8 ans. D'accord. Voilà. Ça vous fait mal apparemment de le dire. Oui, parce qu'en fait, quand on s'est mariés, en fait, il avait fait très très froid. C'est-à-dire qu'on fait la cérémonie, tout va bien. Ouais. Et puis donc on va s'amuser et quand on ressort... C'était où? C'était à Limoges. À Limoges. Et là... Et en sortant, 10 cm de neige. Un froid de gueux. 10 cm de neige. Mais on était quoi, en décembre? On est en février. D'accord.
Donc il y a beaucoup de problèmes, il faut repartir. Mais non, mais surtout, la robe de mariée dans la neige, comment vous faites? Non, ça c'était après. Après, c'était pour la fête, en fait. C'était pendant la fête qu'il avait beaucoup neigé. Pardon, elle n'était plus en robe, elle était toute nue pour la fête. Elle était toujours en robe, si. Si, mais plus avec la traîne, plus la coiffe, tout ça. C'est ça, exactement. D'accord, elle s'était changée. Non, parce qu'elle a le droit de rester en robe de mariée, une fête, je pense. Hein. Bah, non, elle est restée... J'ai pas le règlement intérieur des fêtes de mariage. Elle est restée avec sa robe de mariée toute la soirée, effectivement. Ok. Mais bon, c'était pas gênant, étant donné l'heure tardive, on va dire. C'était d'accord. Pas si gênant. Voilà. Donc vous sortez, vous avez froid, et vous vous dites plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc on veut aller se marier à Tahiti. Ah oui, là, c'est une neige, c'est louche. Hein. Ouais, là, y a un moment oui, où... la c'est neige, c'est pas possible. C'est qu'il y a un vrai problème. Ouais. Enfin, il y a un vrai problème, mais il faut faire donc attention. Pour nos 10 ans de mariage... Destination Tahiti, ça sera dans 2 ans. C'est ça. Puisqu'on veut se remarier pour nos 10 ans de mariage. Très bien. Bon, vous souhaite plein de bonheur, belle idée. Et les enfants seront au mariage. Pardon? Les enfants oui. Seront au mariage. Ben, c'est pour ça qu'on économise, oui. Non, mais sûr, c'était pas le cas au premier mariage. Il y avait déjà des enfants au mariage? Si, il y avait les enfants de ma femme. D'accord. En voiture, combien... Ben, il y avait Alice qui était là. Non, apparemment, votre fille... Tu es sûr, c'est ton papa? Ok. Apparemment, ne vous connaît pas. Non. Mais si, les trois étaient là-bas, évidemment. Et tu étais au mariage. Tu étais peut-être trop petite au mariage, t'en souviens pas? Si, elle avait 7 ans. Si? Ah, elle s'en souvient très bien. Si, elle avait 7 ans. Donc, les trois enfants étaient déjà au premier mariage et les trois seront au... Voilà, au deuxième. D'accord. À moins que d'ici là, vous refassiez un enfant. Alors non, ça ne sera pas possible. Je pense. Non, mais il vaut mieux que ce soit elle qui le dise que vous. Hein. S'il vous plaît. En voiture, combien de points risque-t-on de perdre en téléphonant avec une oreillette? Alors quand je dis téléphoner avec une oreillette, ce n'est pas vous qui téléphonez, vous appelez une oreillette de l'autre côté, hein. Vous avez une oreillette et vous téléphonez. Combien de points en moins? Carré Nagui. 1, 3, 5 ou 7 points? Ça doit être 3 points. 3 points, oui. Avec l'oreillette. On croit que l'oreillette, c'est bon. Pas du tout. Et en plus, il y a une amende de 135 euros. Téléphoner en conduisant multiplie par 3 les risques d'accident, il faut le savoir. Donc, il y a juste le truc qui me gêne. Je suis totalement d'accord avec ça, évidemment. C'est de dire... Pas de texto, pas de téléphone, concentration sur la route. Mais quand on voit maintenant les ordinateurs de bord que sont les voitures, avec les radios, avec le GPS, avec la température... Non, mais c'est-à-dire que la température, carrément, c'est un ordinateur. Alors, température, droite, gauche, siège, machin... Et on est concentré aussi sur un écran. Donc, il faudrait retirer aussi, je pense, l'écran, le GPS qui est dans la voiture. C'est plus simple, en tout cas. Et puis, ce truc-là, rond, qui gêne. Enlevez-le. Franchement... Ça on se concentre années. Sur la route. Ce sera dans quelques c'est années. C'est déjà le cas, les voitures, ouais, c'est vrai. Et nous, ça va se démocratiser, vraiment. C'est vrai. Ouais, ça coûte encore cher, c'est vrai. Dans la saga La Vérité, si je mens, qui incarne Serge Benhamou? Cash. C'est José Garcia. Très bien. Florence, tout va bien? Tout va bien. Bon. Marie avec Joël depuis... Oui, waouh! Non, ça y est, je sais. 17 ans. 17 ans. Pourquoi vous faites genre, moi, j'en sais rien? Parce qu'il sait pas. C'est lui? Tout simplement. C'est quand même ça de Marie? Ouais, il regarde la date sur l'Alliance chaque fois. Ah, c'est qu'il y a encore une bonne vue. Ouais. S'il arrive à regarder, à voir la date à l'intérieur de l'Alliance, c'est qu'il y a une très bonne vue. Mais il faut avoir le bras long de plus en plus long pour arriver à lire la date. Donc 17 ans. 17 ans et 25 ans ensemble. D'accord. Ouais. Formidable histoire d'amour. Ouais. Vous faites une promenade en amoureuse et en amoureux ensemble dans quoi, à côté d'Aix, Marseille? Marseille. Marseille. Ouais. On décide un dimanche après-midi ou un week-end d'aller voir Notre-Dame de la Garde. Ouais. Il faisait beau et que voilà, c'est magnifique c'est de voir tout Marseille de ce point de vue. Et je prends ma vieille voiture que j'aimais beaucoup parce que la première que je me paye moi-même avec mes premiers salaires d'aide-soignante de nuit. Maintenant, je suis infirmière, mais à l'époque, j'étais aide-soignante de nuit. Et même si elle était vieille, je l'aimais. Et donc, je me garde dans une vieille rue de Marseille un peu pentue. Et quand on revient de notre promenade, la voiture ne démarre pas. Voilà. Tu donc, sens le... On va enlever le frein à main et on va démarrer en première ou en seconde? Mais on était en pente, mais il fallait monter. C'était une rue sens unique, en fait. Ah, vous ne pouviez même pas démarrer dans la pente? Non, je ne pouvais pas. Donc, on a ameuté toute la famille aux alentours. Il faut pousser. Ils sont venus pousser la voiture, qui ne démarrait toujours pas. Après, là, vous étiez ensemble depuis combien de temps, tous les deux? De 3 ans, c'était le début. Au début de l'histoire, d'accord.
Et donc, comme j'avais des pinces, moi, parce que je me suis dit, c'est ma batterie qui est... Voilà. Ouais. Donc, j'avais des genres de pinces pour essayer de redémarrer la voiture. Donc, on prend la voiture du cousin, on met les pinces, on essaye de redémarrer. Elle ne démarre pas. Je dis, ah, c'est bon, ma voiture, elle est morte. J'étais... Et d'un coup, éclair de génie, en fait, j'avais oublié que j'avais mis le coupe-circuit. Donc, vous avez beau tourner, vous avez beau mettre le contact, tant qu'il y a le coupe-circuit, voilà. Qui est une espèce d'antivol pour pas que la voiture... Une ancienne voiture. C'est ça. Voilà, comme j'y tenais, c'est mon mari, en plus, qui avait posé ce dispositif. Et en fait, on avait... Et lui, il pouvait pas y penser au coupe-circuit ? Il pense même pas à son mariage. Bouh ! Allez, prends ça ! Coupe-circuit... Le coup de la panne. Le coup de la panne, ouais. Florence, dans quelle série télé le héros déclare-t-il sa flamme à l'agent Lisbonne ? Carré. Castle, Bones, Mentaliste ou 24 heures ? Castle, Bones, Mentaliste, 24 heures. Castle. Mentaliste. Quel ange donne son nom à cette chanson ? Najwa Belizel chante, mais quel est le titre ? C'est un ange, le titre. Cache, Gabriel. Très bien. Et voici la championne. Géraldine, 3500 euros et 2 victoires pour elle. Pas José, pas Florence, désolé, à bientôt en tout cas, au plaisir, merci. Yasmina, Suzanne, Lucien et David sont les 4 qui restent dans la deuxième manche, voici leur cadeau. Mec Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un lot avec un sac pour femme et une petite maroquinerie pour homme. Soyez élégant en toutes circonstances grâce à Mec Douglas. Voici la question pour vous qui êtes... Quand voit-on dans l'espace depuis Kourou, en Guyane ? On en voit un, des soucoupes volantes, ou deux, des fusées Ariane, en l'occurrence. 3602 au téléphone, 72121 par SMS, 3500 euros dans la cagnotte de la championne. Dans les Antilles avec lesquelles nous allons jouer... Quel genre musical donc est né dans les Antilles françaises, notamment grâce à Cassav ? Le reggaeton ou le zouk ? Parfait, oui ! Cassav et le zouk. Et toute cette semaine, d'ailleurs, sur les chaînes de France Télévisions, nous allons passer une semaine au cœur des Outre-mer, qui sont chers, justement, à notre cœur. En Nouvelle-Calédonie, quelle forme particulière la mangrove dessine-t-elle sur le territoire de la commune de Vaux, V-O-H ? Une étoile ou un cœur ? La femme... Géraldine, pouvez-vous arrêter de donner les réponses ? S'il vous plaît, pendant que les candidats jouent, elle a déjà fait ça hier, on commence aujourd'hui. C'est un cœur, oui, absolument, avec cette photo prise par Yann Arthus-Bertrand, célèbre. Ça s'appelle le cœur de veau, mais ça s'écrit V-O-H. La Terre Adélie a été découverte en 1840 par Dumont d'Urville. À qui a-t-il rendu hommage en lui donnant son nom ? À son épouse ou à sa mère ? En l'appelant Adélie, c'était en hommage à son épouse ou à sa mère ? Yasmina qui pense à son épouse. Quelle belle... Un petit côté romantique. Ah, c'est formidable, oui, quelle belle preuve d'amour. Et tous les autres disent la maman, Lucien, Suzanne et David. Là, maintenant, vous pouvez parler. Moi, j'aurais dit la maman. Oui, mais la bonne réponse. Bah, sa maman, sa non, mère. La bonne réponse, je vous demande. Oh, il avait une épouse qui s'appelait Adèle. Oh, je savais pas. Qui s'appelait Adélie. Adélie. Absolument, oui, absolument. La Terre Adélie en Antarctique. Voici la carte.
Et vous n'avez pas tort, d'ailleurs, il l'appelait Adélie et son épouse s'appelait Adèle. Oui, Jules Dumont-Durville, sa femme s'appelait Adèle. Dans quel sport un Guadeloupéen est-il double champion olympique en titre ? Équitation, judo, surf ou tennis ? Allez, David. Si on parle de Teddy Riner, c'est bien joué, le judo, en effet. Il a même une statue qu'il a inaugurée en 2018 dans la commune guadeloupéenne de Vieux Habitants, là où il a grandi. Il a eu donc le titre à Londres en 2012, Rio en 2016. Il a 10 titres de champion du monde à son palmarès. À suivre les prochains JO où il va tout déchirer aussi. J'adore ce mec. Que signifie le nom de Madinha ? Madinina, pardon, Madinina. Chaim l'emploie dans cette chanson pour désigner la Martinique, mais Madinina veut dire quoi ? L'île des rêves, l'île paradis, l'île aux fleurs ou l'île refuge ? Madinina. Le paradis pour tout le monde, sauf pour Suzanne qui préfère les fleurs. Championne ? Je ne sais pas. Madinina ? Moi j'aurais dit l'île aux fleurs. Hein. Exactement, l'île aux fleurs, bien joué. À La Réunion, comment les créoles appellent-ils les métropolitains installés depuis peu sur l'île ? Les gramounes, les malabars, les oreilles ou les tantines ? Gramounes, malabars, oreilles, tantines ? Les malabars pour Lucien, les oreilles pour les autres. J'aurais dit les oreilles. Oui, absolument. Gramoun, ce sont les personnes âgées, Malabar, hein, les Indiens tamouls, et Tantine, tout simplement une petite amie. Enfin, n'appelez pas votre petite amie Tantine tout de suite, je pense qu'elle risque de mal le prendre. 5 pour Lucien, 8 pour David, 9 pour Yasmina, et Suzanne est en tête avec 11 points. Je vous demande d'écrire maintenant la bonne réponse. Écoutez cet artiste qui s'écoute en train de rigoler et qui va rigoler. Et avec votre permission, nous allons écouter rire. C'est moi, ça. Très communicatif, mais quel est son nom ? Il est né en Guyane, un rire incroyable. Un S, Suzanne, comme Salvador. Salvador, comme pour Lucien, pour David. Michel Leb pour Yasmina. C'est Henri Salvador. Exactement, oui, c'est Henri Salvador. Salvador. Michel Leb qui imite Henri Salvador. Ah, c'est ça. Quel talent. Dans quel archipel français du Pacifique l'autorité coutumière est-elle détenue par 3 rois ? Écrivez la réponse pour avoir 5 points. L'autorité coutumière est détenue par 3 rois dans l'archipel français du Pacifique. Lequel ? Polynésie pour David, comme quoi, Suzanne ? Les Comores. Les Comores, Tahiti pour Lucien, Wallis et Futuna pour Yasmina. J'en sais strictement rien. Ah, mais vous êtes championne ? Ah bah oui. J'en dis la Polynésie, mais... Non ? Non. L'archipel est une collectivité d'outre-mer en statut particulier composée de 3 royaumes, Ouvéa, Wallis, sur l'île de Wallis, donc Allo Sigave sur l'île de Futuna. Bien joué, Yasmina. Bilan de cette manche, c'est toujours Suzanne qui est seule en tête, 16 points. Des questions plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Qu'avez-vous pour Lucien, s'il vous plaît ? Merci. Lucien, au sein de quel archipel Mayotte a-t-elle été la seule île à refuser l'indépendance pour rester française ? Madagascar ? Et non ! Suzanne l'a dit il y a 2 secondes, les Comores. En fait, vous avez tous les bonnes réponses, mais pas au bon endroit par moment, quoi. C'est un peu ça le problème. Question pour David, s'il vous plaît. Alors, David... Merci. Quelle île, David, est associée à Saint-Pierre pour former le nom d'une collectivité française d'outre-mer ? Miquelon. Oui, Miquelon, bien joué. En
dans l'Atlantique Nord, à une vingtaine de kilomètres des côtes de Terre-Neuve face au Canada. Yasmina. Dans les années 30, Yasmina, quel poète martiniquais est à l'origine du mouvement de la négritude valorisant les cultures noires ? Aimé Césaire. Formidable Aimé Césaire, oui. Et au Panthéon, d'ailleurs, une plaque rend hommage à Aimé Césaire depuis 2011. Suzanne, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Yasmina. Avec quel pays européen la France partage-t-elle l'île antillaise de Saint-Martin ? Saint-Martin est divisé, partagé entre la France et... Je vois pas. Les Pays-Bas. Yasmina est challenger ! A bientôt Suzanne, à bientôt David, à bientôt Lucien. Merci Yasmina, voici votre cadeau avant la finale. Bravo Yasmina, Bellambra vous offre un séjour à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une de ses 58 destinations en France. Voilà, avec Jérémy, j'imagine. Et vous à la maison, dites-nous qu'envoie-t-on dans l'espace depuis Kourou en Guyane. On envoie un, des soucoupes volantes, ou deux, des fusées Ariane. 3632 au téléphone, 72121 par SMS. Champion, 4 thèmes, comme tous les jours. Choisissez d'abord pour Yasmina entre le style art déco, les enfants de série à la télé, les cerises ou les pseudonymes. Que donnez-vous à Yasmina ? Le style art déco. Et pour vous ? Moi, ce sera les enfants de série télé. Très bien. À suivre donc cette finale féminine. C'est après ça, ne bougez pas. Les forces s'équilibrent. La partie commence à vos risques et périls. Rien n'a bien qui rira le dernier. Fort Boyard saison 30, Summer is coming sur France 2. Dès ce soir à 21h. Votre jeu avec Festillant sans alcool. Retrouvez nos sélections en juillet à Floirac, Gex, Paimpol, Plérin-sur-Mer, Loudéac, Faverges-Sétenay. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Et si nous ne venons pas dans votre ville, participez tout de même aux sélections vidéo en allant sur tlmvpsp.com. Après l'émission, venez jouer sur mobile et tablette, défiez les champions, vos amis et des joueurs du monde entier. Yasmina, professeur d'anglais, avant de commencer, cher professeur, vous m'avez raconté que vous aviez envoyé une carte de vœux pour le mariage, c'est ça ? Pour fêter Noël, en fait. Pour Noël, pour Kate et William. Et on a renouvelé l'opération cette année avec Harry et Meghan. Voilà. Princesse d'Angleterre. Est-ce qu'ils ont répondu à votre courrier ? Ils ont répondu à mon courrier. Comment la classe devait être dingue d'avoir une réponse de... Oui, chaque élève a fait une petite carte de vœux. On travaillait sur voilà, les cartes de vœux en Angleterre. Et ils ont écrit ça avec tout leur cœur. Et ils attendaient la réponse. Et au bout de quelques mois, elle est arrivée. C'est chic, c'est classe. Très c'est élégant super. De la part de la famille royale. Êtes-vous prête à jouer avec le style art déco ? Prête. Allons-y. Quel adjectif qualifie les années 20, période où l'art déco atteint son apogée en France ? Carré. Les années austères, folles, douces ou joyeuses ? Les années folles. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans quelle ville a été bâti sur la promenade des Anglais le palais de la Méditerranée avec une façade art déco ? Cache. Dans quelle ville sur la promenade des Anglais le palais de la Méditerranée a une façade art déco ? Nice. C'est noté. Quel homme d'affaires a vendu aux enchères le mobilier art déco qui ornait le duplex qu'il partageait avec Yves Saint-Laurent ? Cash. Pierre Berger. C'est noté. De quelle couleur est le célèbre ours exposé au musée d'Orsay, sculpté par François Pompon, figure de proue de la période art déco ? Mais de quelle couleur est cet ours ? Carré. Jaune, blanc, noir ou bleu ? Jaune, blanc, noir, bleu. Jaune. Quelle actrice aux cheveux coupés à la garçonne, typique des années art déco, joue dans Loulou, un film sorti en 1929 ? Carré. Marlène Dietrich.
Marie Pickford, Greta Garbo, Louise Brooks. Dietrich. Et enfin, avec Amour et Délices, quel est le nom de la troisième péniche aménagée dans le style art déco par le couturier Paul Poiret en 1925? Carré. Amour, Délices, Orgue, Lyre, Déesse, Agape. Lyre. Géraldine, quel score allez-vous viser? 18. Très bien. Les enfants de série télé, dans la série Friends, à quel coureur de jupons Rachel interdit-elle de draguer la nouvelle nounou de sa fille, Emma? Cash, hein. Ben, Joey. Joey Tribbiani, oui, bien joué. 5 points. Dans Ma sorcière bien-aimée, comment se prénomme la fille de Samantha et de Jean-Pierre? Cash, Tabata. Parfait. Alors, c'était des jumelles, en fait, qui se partageaient le rôle, parce que les enfants n'ont pas le droit de rester trop longtemps. Erin et Diane Murphy, qui se partageaient le rôle de fillette, et qui, comme sa maman Samantha, a des dons de sorcellerie dans la série, évidemment. 10 points. Quel commandant de police est la maman d'Emma, Jules, Martin et Léo? Carré. Commandant de police est la maman d'Emma, Jules, Martin et Léo? Carré. Florence Cassandre, Agathe Coltès, Léa Solaire, Candice Renoir. Candice Renoir? Oui. Treize points. Quelle jeune héroïne de série télé accompagnée de son chien nommé Bandy aime porter des chaussettes dépareillées? Quelle jeune héroïne de... J'arrive. Quelle jeune héroïne de série télé accompagnée de son chien nommé Bandy aime porter des chaussettes dépareillées? Punky Brewster, Sabrina Spellman, Laura Ingalls, Raven Baxter. Punky Brewster. Oui. 16 points. Dans la série Arnold et Willy, quel prénom de président américain le poisson d'Arnold porte-t-il? Dans Arnold... Carré. Bon, bah, tout à l'heure. Ulysse, Franklin, Théodore ou Abraham? Franklin. Ulysse, Franklin, Théodore, Abraham... Poisson Franklin. D'Arnold. J'ai entendu, vous inquiétez pas, hein, je... J'essaie juste de finir ma phrase. C'est Abraham. Ah. C'est Abraham. 16 points toujours et dernière question. Dans la sitcom La fête à la maison, quel enfant de la famille Tanner s'exclame souvent « Ça, c'est rude ». Carré. Donna Jo, Michel, Stéphanie ou Kimi? Michel. Ça, c'est rude dans La fête à la maison. Non, c'est Stéphanie. C'est Stéphanie. 16 points. Alors, Yasmina, pensez-vous avoir ne serait-ce qu'un point de plus qu'elle? Ça va être difficile, on va voir. C'était pas le thème que vous souhaitiez? Du tout, j'aurais voulu le sien. Et alors, honnêtement, si vous avez eu le sien, auriez-vous le même genre de points ou plus? On aurait fait le même score à peu près. Je ouais, crois. Bah donc à ce moment-là, elle est restée, quoi qu'il, championne. En France, donc, vous me dites que dans les années 20, ce sont les années folles, et évidemment, bien joué. De 1920-1929, avec l'apogée en 1925, et l'Expo internationale des arts décoratifs de Paris. L'art déco avec des formes épurées, loin de l'art nouveau du début du siècle. 3 points, en tout cas, pour vous. C'est bien à Nice, oui, qu'à la promenade des Anglais, et ce palais de la Méditerranée. Façade de béton armé, richement décorée, une symétrie parfaite. Avec des pilastres et des colonnes inspirées des temples grecs, 8 à 16. Pierre Berger, compagnon d'Yves Saint-Laurent, ils ont vécu des années 70 jusqu'en 2008 dans cet appartement et vendu tout le mobilier aux enchères. Bien joué, Pierre Berger. 13 à 16. L'ours, vous me l'avez peint en jaune, l'ours blanc de François Pompon. Qui est au musée d'Orsay, Ours Blanc, qui est en pierre, réalisé entre 1923 et 1933, conservé au musée d'Orsay à Paris. 13 à 16 toujours. Ce n'est pas Marianne Dietrich qui joue dans Loulou, mais Louise Brooks. 13 à 16, qui était vraiment Louise Brooks, l'égérie des années art déco et des années folles. Les péniches de Paul Poiret, du couturier Paul Poiret, il en avait appelé une Amour, l'autre Délice. La troisième, vous m'avez dit Lyre. Amour et Délice ont un masculin, ont un singulier pardon, au masculin, un amour, heureux, des amours, heureuses. Pareil pour Délice
Au singulier, c'est masculin, au pluriel, c'est féminin. Et pareil pour orgue. On dit un orgue et les grandes orgues de Notre-Dame, par exemple. Et il l'avait pour l'Expo internationale des arts déco. Ses péniches s'étaient amarrées devant la tour Eiffel. 13 à 16, la championne reste championne. 4 800 euros pour cette troisième victoire. Ça, c'est des bisous. Allez, tiens. Bon retour. Merci. Et bisous, copine. Passez une bonne journée, un bon appétit. On se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.